Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir un deck excellent. C'est un deck avec Ashe, Anivia, mais bon Anivia elle est là une fois, c'est surtout Ashe, Ashe, Fresh Lord, Noxus. Honnêtement c'est le deck qui m'a fait le plus plaisir à jouer ce jeu. En fait il y a des vrais choix, les choix sont excellents. Je dois avoir 14 victoires, 3 défaites en ladder avec, et sur les 3 défaites que j'ai fait, il y en a 2, c'est ma faute. Et ça j'adore, moi j'adore quand on perd et que c'est ta faute à toi, et pas juste à cause de la sortie en phase ou parce que t'as pas tes propres cartes. C'est vraiment pas un deck pile ou face. C'est un deck très complet, très avec beaucoup de choix, très plaisant à jouer. Je vais vous faire deux vidéos qui vont sortir sur ce deck, issues de live Twitch. Donc n'hésitez pas à checker la chaîne Twitch, hein. Je fais des lives, j'ai un petit planning et tout dessus. Donc je fais des lives un peu tous les jours, donc en tout cas tous les jours de la semaine dessus. N'hésitez pas à checker le planning, il est juste en bas sur la chaîne Twitch, donc vous pouvez le checker. Ou sur le serveur Discord, il y a un lien également en description. Serveur Discord, le deck est excellent. Je vous montre un petit passage de la vidéo où j'explique le deck, et je vous mets également le deck code en bas dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à checker, honnêtement ce deck est un régal, il est très fort dans la méta, il bat le deck Ekirim Redoutable, il bat les decks insaisissables, la plupart du temps, il se débrouille vraiment très bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bah, voilà, 14 victoires, 3 défaites, dont 2 qui sont de ma faute, on est quand même sur un deck incroyable. Je vous laisse profiter de la vidéo, je vous laisse kiffer, et je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout une excellente vidéo. Elle est très simple. Elle est très simple la liste. Parce qu'en fait, il y a que des trucs en 3 exemplaires, tu vois. Donc, déjà, quand tu vois une liste avec tout en 3 exemplaires, tu te dis, attends, c'est que c'est pas très réfléchi. Parce que généralement, tu vas plutôt à partir sur du 3 exemplaires sur certaines cartes, mais il y en a pas mal où tu vas les mettre en 1, en 2 ou autre. Parce que tu vas dire, dans la plupart des match-up, j'ai pas spécialement envie d'avoir, mais quand même. Donc, je vais partir sur un 2 exemplaires. C'est une carte, quand j'ai 3 fois en main, elle est embêtante. Donc, enfin voilà. Il y a des bails comme ça sur la construction de deck. Et ce deck-là, non. Ce deck-là, il s'en fiche, quoi. C'est du 3 exemplaires, 3 exemplaires, 3 exemplaires. Et au final, bah, je trouve qu'il marche quand même vachement bien. Malgré le fait qu'il est très très simple. Parce que tu vois, on a peu de diversité. On a 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu vois, le deck ne tourne que sur 14 cartes différentes. Il y a 13 fois des cartes en 3 exemplaires. Tu te rends compte? Ça arrive jamais, ça. Et au final, ouais, il tourne vraiment bien. Ouh, c'est quoi ça? Elise, Ionia, juste avec aucun autre champion? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Je crois que je vais garder ma main comme ça. Je crois qu'elle est correcte, ma main, en vrai. J'ai envie de choper les Atregardes, mais lui, il peut me donner un Atregarde. Mes aigles, ils vont carry un petit peu leur lit, la tambour également. Et vu qu'il a un deck très aggro, je pense qu'avoir un petit peu d'early pour gérer les araignées ou autre, c'est pas mal. On va faire ça. Beaucoup en jungle et sinon mid, jamais réussi à passer challenger, le plus haut rang atteint était master. Ah ouais, ouais t'as quand même bien taclé, hein. Master c'est propre. Hein. Ça sent le deck de poète. C'est quoi, il a quoi dans... Il y a quoi de particulier du coup dedans? C'est la première fois moi que je vois un Elise Ionia avec aucun autre champion. Genre de base j'aurais imaginé de l'insaisissable, il va jouer des rejets, des trucs comme ça, mais... Je vois pas quelle carte il a spécialement envie d'aller chercher avec une Elise chez côté Ionia pour l'instant. Yo Eagle Fire! Yo yo yo! C'est vrai que j'ai répondu mais je t'avais pas dit bonjour. Je crois qu'on pose elle quand même. En fait, soit on refait un oiseau et on est en mode bah vas-y pose ton Elise, c'est pas très grave, je préfère booster le reste de mon paquet. Comme ça au pire, si je chope elle, bah elle sera grave boostée, ça va être cool. On va faire comme ça. Moi mon but c'est pas de l'attaquer sur les premiers tours, hein. On est sur un deck où mon but c'est de tempo et de le one tour kill. Ou alors de le battre sur le late game, mais pas en early early. Il joue pas du tout. Il joue quoi? Il joue Solitude. Donc attendez, ouais du coup il joue Elise Solitude. Pour faire une grosse Elise qui fait plein de pression et tout. C'est ça le but hein, apparemment. Ah j'ai pas vu dans Eagle Fire, mais GG ça. C'est cool hein, c'est grave cool hein, c'est un XP, c'est pas évident. Attends, c'est bizarre, il joue pas du tout. Je comprends rien. Bah, j'ai une 7-3 par contre, ça vaut peut-être le coup que je la pose quand même. Hein. Celui-ci, si, c'est Demacia, t'as raison, je suis bête. Mais en fait, c'est parce qu'il passe ses premiers tours, du coup, je cherche qu'est-ce qu'il cherche à faire. Mais oui, c'est Demacia, je dis n'importe quoi.
Ah, c'est chelou. Il me faut juste un instant. D'accord. Bon, on va lui mettre 9, hein. On attaque direct, je pense, hein. Bah allez, on lui attaque direct déjà. On posera un barre d'après. Mais c'est trop bizarre. Ouais. Ok. Personne ne m'écoute. Alors. Tac tac tac, donc à lui. Oui, j'étais un gros joueur dessus, je l'ai bien saigné, à présent je suis à fond dans l'or. Une fois dans la sortie officielle, ce jeu va tout casser, il a un potentiel de dingue, je trouve complètement insane. Ouais, je suis d'accord avec toi Google, je suis d'accord avec toi. Je pense que le jeu va vraiment être très bon une fois qu'il sera sorti officiellement. Genre là, tu vois, tu sens quand même que c'est encore une grosse bêta, quoi. Mais je pense aussi qu'il va être vraiment, il va être ouf, quoi. Alors j'ai toujours pas mes at-regardes. Ah, c'est un peu le chagrin, ça. On va... Est-ce qu'il joue ruine dans son deck? Je pense pas. Hein. Je sais pas, si, vu qu'il joue ça, il joue peut-être ruine. Ruine, il aura tour 6. 4, 5, 6. Ouais, c'est-à-dire que tour prochain, il peut nous ruine. Est-ce qu'on tourne autour de ruine? Je suis pas sûr, parce qu'on a de la pression sur le board. Faut peut-être l'utiliser quand même à juste escient. Peut-être faire un truc quand même. Genre, je peux poser elle et genre le loup et on bourre tour prochain. Ou alors on pose lui, c'est moins risqué. On va reposer un bar. Là-haut, dans les montagnes. Ouais, je pense que c'est ça aussi Eagle Fire. Hein. C'est un gros deck contrôle au final. Hein. C'est un deck qui va jouer la ruine et tout, hein, non? Ah, j'ai pas l'élixir de fer en main! Ah, c'est triste. Hein. Là, je suis un peu chagrin du coup. Ah, j'ai pas l'élixir de fer! Non! Bon, on va reposer des cartes hein, du coup. On va poser la Trugarde au minimum. On va attaquer avec lui. Il a quoi? Il a pas Icarim. T6. T6, ça va être quoi? Genre le Raviveur, des trucs comme ça? Je me souviens qui vous Ruin, les Dross, Raza, ouais. Ah, ça marche, parce que tout à l'heure, il l'a fait, ça avait pas marché. Je me demandais pourquoi il avait fait ça. Est-ce qu'il y a des raisons de ne pas attaquer avec certaines cartes? Lui d'attaque. Ouais, ok. Rien que le fait qu'elle est sortie sera également sur mobile, ça a beaucoup changé, énormément de joueurs ne jouent que sur mobile. Bah c'est ça, pour moi c'est un bon 80 à 85% des joueurs qui jouent à des jeux de cartes sur mobile. En même temps, en vrai, à part si t'as envie de faire genre je suis un PGM, t'as très peu de raisons de jouer sur PC un jeu de cartes, hein. En vrai. Tu vois, sur PC, tu peux avoir tes trackers, tu peux un peu mieux voir, à la rigueur, c'est un gros écran, ou c'est le confort, parce que t'aimes bien être sur PC, mais dans la réalité de tous les jours, jouer sur une tablette, un jeu de cartes, ou jouer sur le smartphone dans les transports, c'est plus agréable et plus sympa pour la plupart des joueurs que de jouer sur un PC, je trouve. Alors, il y a peut-être des petits trades où on peut quand même lui dire non, genre toi tu meurs par exemple. Ça, on a qu'à dire, voilà, toi tu meurs, par exemple. Ça, c'est rigolo. Le reste, on va pas sauver Jack, on va garder notre engelure. On garde notre mana, mais ça me va. Yo, Todo Bird. Bon matin, Todo Bird. Yo, Vania. Une gardienne et sa place. Hier, tu demandais à Taitou quel était le nombre de champis que l'adversaire avait pioché en une pioche. C'est toi, c'est 12 champis? Waouh. Ok. 12 champis? C'est beaucoup 12 champis. Hein. Sérieux, tu lui en as mis combien dans le paquet? Ah, ça cache les régions, ouais, faut que je le mette ailleurs. On met où ça? On met au-dessus? Moi, c'est vraiment. On met là-bas. Là-bas, c'est bien. Moi, ça gêne personne. Hop là. Hop là. Ok.
Là-bas, ça gênera pas. Alors. Donc là, c'est bon, il vient de remettre sa petite gardien maudit. Ok. Nickel. Pour ça, il a ruiné des créatures qui repop genre immortel. Ouais, c'est ça, hein, exactement. Ouais, bah, c'est bon, maintenant, depuis le tour 3, là, j'ai compris le deck. Depuis qu'il a posé ses historiennes et qu'il a fait passe, on s'est dit... Mais ouais, ça, il a ruiné et tout, donc ça va être un peu compliqué, hein, tour de ruine. Donc là, pour l'instant, si je pose elle, je pioche qu'une carte. C'est un peu embêtant, donc on va poser elle. Alors, ça, non, ça, c'est mieux, parce qu'il s'est pas apporté de vie le festin. Et on va reposer elle pour faire de la pioche de deux cartes. C'est correct, deux cartes, je pense. S'il attaque pas tout de suite, ce serait bien. Ah, il peut déjà lance noir. Oh, relou, quoi. Je m'étais dit, ouais, ça a porté le lance noir, mais en même temps, la 5-3 aussi. Donc bon, ça change pas grand-chose. Ok. Bon, là, il peut plus vulfester festin, donc je serai sûr de pouvoir piocher le tour prochain. Donc ça, c'est cool. Sauf si je perds mon autre garde sur les trades défensifs. Mais on va pas le perdre. On va faire en sorte de pas le perdre. Là, il attaque avec tout le monde, je pense. C'est quoi ce bruit? Corrompu, bien sûr corrompu. On va garder de la place sur le board quand même, histoire de dire. On va attendre de voir comment il attaque. Yes. Alors, c'est le moment où on s'amuse à trade ou pas. J'aimerais bien garder lui pour faire de la pioche avec elle, donc on va pas le sacrifier. On va juste mettre lui là, tant pis s'il a une... Un vil festin. Bah, s'il a un vil festin, il fera son vil festin. Écoute, voilà, on le laisse faire ses bails s'il en vit. Là, on peut permettre de bloquer un petit peu lui parce qu'on n'a pas de raison de garder notre règle en vie. Juste pour cette raison-là, ça nous clean un peu le board, ça nous fait de la place. Et l'autre règle, on peut également l'utiliser pour bloquer, je pense. Bon, je pense pas qu'on ait trop de raison de garder nos règles spécialement en vie. Donc c'est parti. Allez, on fait comme ça. Donc tour prochain, on est T7. Je peux poser mon loup à la rigueur. Soit je pose le loup en disant « Hey, je vais attaquer avec le loup. » Soit on fait ça, comme ça je suis sûr de faire un free trade avec la 5-1, ce qui est cool aussi. On va faire ça. Nous marchons comme un seul homme. Rien ne nous arrête. Parce que du coup, il peut pas ruiner le tour prochain. C'est la petite info. Par contre, il peut raser le tour prochain. Voilà, ça c'est un peu plus embêtant, mais on va faire avec. Donc là, on pioche deux cartes. On a besoin de cycler notre deck, là. On a vraiment besoin de repiocher, donc on pioche deux cartes. Ah, pas les meilleures pioches, hein. Pas les pioches les plus incroyables, hein. Donc là, il peut déjà raser. Ok. Il peut déjà raser. Oh, la main, elle est horrible, hein. Donc il faut vraiment que je lui donne des trucs à raser et que je perde pas trop mes petites créatures. Oh, c'est pas simple, hein. Au minimum. Ah, mais non, la 3-2, il peut la gérer avec lui. Va falloir que je lui mette un gel, hein. C'est un peu embêtant. Oh, comment je tourne autour de Raza, moi, là-dedans? D'un autre côté, je peux pas lui laisser à tempo en late game, vu que j'ai une main dégueu. Damn! Soit je fais ça et je calme quand même un gel et je me dis bon moi je suis trade une 4-4 gratos. On va quand même faire ça, je pense. Quand même faire ça. Puis on va lancer une petite 4-3 à l'attaque. Ou 4-1. Non, 4-1 ça aurait été fait trade par ça. Là il va mettre la... En vrai ouais il est pas si bien. Il est pas si bien là. Parce que derrière son Raza il va forcément être embêtant. Mais il va chercher Je vais la garder en vie pour que Raza il tue elle, hein, je pense. Autant, de toute façon, quitte à avoir que ça dans la main, autant les utiliser, quoi. Genre là, j'ai juste à mettre un élixir de fer, c'est correct, quoi. Ou alors, les élixirs, je les garde pour les lances noires. Mais non, il essaie déjà claqué, il a plus une lance noire dans le paquet, donc pas gênant. Voilà. Ok. Tomber devant
Perso, je joue 90% du temps sur ma tablette tactile posée sur le canapé, c'est un bonheur. En tactile, c'est encore plus jouissif. Ouais, carrément, hein. Genre, Hearthstone et tout, c'est vraiment cool. Vous avez vu, hein. Il y avait Raza, donc on a bien fait tourner autour. Ok. Vas-y, Raza, fais-toi plaisir. Bon, maintenant, il faut que le dieu de la pioche, il soit avec nous. Hein. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu galère. Faut qu'on pioche bien. Elle est forte l'évaluatrice, ouais elle est incroyable, hein. C'est la meilleure carte du deck. Hein. C'est la meilleure carte du deck avec H. Elle est incroyable. Hein. Souvent elle va se mettre bien, là par contre on a vraiment une pioche dégueu, donc on va perdre sur la pioche je pense. On a fait des bonnes lignes de play jusque là, mais la pioche elle est... ça on a pas trop envie d'avoir ça en late game quoi. Là c'est 5 cartes là, c'est pas ouf, c'est pas incroyable. J'ai pas de bon trade non plus. Soit je cache HDF et je fais une enjure quand même, un truc comme ça. Après il a 9. Si je lui fais un trade, il peut refaire un Raza. Genre, j'ai pas trop envie. Genre, passer à 11, est-ce que c'est pas correct au final? Ce qui évite qu'il me fasse un Raza qui me tue tout le monde, quoi. On va faire ça. Par contre, s'il a un Ledros, on est un peu triste, mais bon. Faudrait que tu la joues dans les decks Vlad, probablement Eaglefire. Hein. En vrai, elle est très très forte la carte. Ça marche, Gaïk. A tout à l'heure, Gaïk. Cet œuf, il a bougé. Le truc, c'est qu'il joue ruine aussi. J'ai pas envie de lui donner une ruine magnifique. J'ai pas trop chaud à lui donner une ruine qui fait de la value. J'ai pas trop chaud. Ok, on peut geler un ennemi avec lui. Et on espère qu'il a pas la ruine. Je suis fin prêt. Mais pareil, c'est pas vraiment l'archer qu'on avait envie de voir. Hein. Là, on pouvait avoir une évaluatrice, on piochait 3 cartes, on se mettait tellement bien. A la rigueur, un Atrogarde. Et sinon, les haches et tout, ça peut aller. Là, le problème, c'est qu'il va ruine. Ah, il ruine pas. Ok. Il ruine pas. Par contre, il peut toujours faire Razar, hein. Il a 8 d'élixir. Il a 8 d'Elex. Donc le but c'est de garder les petites cartes. La, enfin, petite entre guillemets. L'archer et la 4-3 pour Raza. Ça, si on y va, faut geler la créature en face. Est-ce que ça vaut le coup? C'est pas dit, hein. De l'autre côté, elle meurt sur un vil festin sauvage. S'il rechoppe un vil festin. Donc, mais en même temps, elle permet de piocher si j'ai évaluatrice. Ce qui est quand même grave cool. On va juste faire ça du coup. Juste chercher Raza. Là, il peut nous re-Raza s'il a un deuxième Raza en main. Non, il le fait pas. Ok. Mais bordel! C'est quoi cette pioche? C'est quoi cette pioche éclatée au sol? Rien ne va, hein. Rien ne va dans cette partie. Bon, cette fois il faut def un petit peu, même si il y a toujours l'ami Raza qui peut arriver à tout moment. Il faut quand même def un petit peu l'adversaire, on va faire des trucs comme ça. Alors il faut que notre archer il reste en vie et ça elle reste en vie, histoire de faire les trucs défensifs un petit peu. Ça on peut geler lui. Ok. On peut même bloquer lui en soi, hein, si on veut. Et on met un élixir de fer dessus. Ce qui change rien, de hein, toute façon, nous on va quand même perdre. Ouais, c'est bien. On va quand même perdre nos cartes sur Raza, donc c'est pas gênant. Alors, on va mettre un oiseau direct. Là, ça c'est le seul intérêt, c'est que ça bloque un Raza éventuel. Par contre, s'il a la ruine, bon, pareil, il se met toujours bien là. Donc, on verra s'il met la ruine. Je pense qu'il pose ruine à ce tour. Vous n'avez Élise. Rien à craindre. Passe. Il n'évolue pas en plus, c'est cool ça. Ben, c'est parti.
Let's go. Avarosan, laissez-vous. Elle, est-ce que je la mets? Je suis pas sûr parce que j'ai envie de loup plutôt sur la liste en priorité. Quoique. Les deux sont corrects en vrai. Tu peux très bien faire ça et dire je vais faire un gel sur Elise. Et comme ça il est obligé de mettre de l'élixir pour tuer ma 5-1. La 4-1 je vais pas la mettre non plus parce que bah il fait des trades gratos. Par contre on peut décider de mettre un loup également. Et dire bah tiens le loup il va manger une araignée. Le problème c'est Raza, donc Raza, on a encore tout qui est en vie. Notre 2-2 elle reste en vie. C'est correct, je pense. Yo, Matfous. Bon matin à toi, Matfous. Ok. Bon, on le met à 3. 3, c'est bien. Là, il va ruin. Toujours pas. Ah, il essaie de piocher sa ruine, ce Bali. S'il la pioche, je pense qu'il la joue direct. Okay. Cette game est dingue, ouais, c'est tendu, hein. C'est grave tendu, hein. Oh, 5-4, c'est correct. L'ordre récompense ses fidèles. Doucement avec les insaisissables, hein, mon ami. Doucement, doucement. Ça va bien se passer. Pas besoin d'en poser trop. On a pioché 0 H d'ailleurs. On n'a pas de H. Ni Olivia. Tout je veux dire, mais H, elle va évoluer là. Mais très bien. Bon, alors là, il a toujours 7, hein. Faut toujours tourner autour de Raza. Ok. Donc Raza, on veut lui donner le 2-2 et un 4-1. Ok, on peut pas lui donner plus à Raza. On a un gel. Ça, on peut ignorer. À la rigueur, on lui donne pas de Raza. Par contre, on est à portée de marque si on lui donne rien. Et il peut avoir également des maîtrises jumelles dans le deck. Il y a quand même plus de monde dans lequel c'est intéressant de faire un trade def. En revanche, lequel on fait, quoi? Loup gel? C'est pas loup. Genre... 5-1 gel? Un truc comme ça. Où sont les envahisseurs? C'est obligé de mettre plus. Il lui faut deux marques pour finir? Est-ce qu'on tourne autour du fait qu'il peut avoir deux marques en main? Je pense pas. Ouais, c'est bon. Tu peux Raza si tu veux. Damn! Avec son deck late game là? Ruin? Lance noire. Ouais. C'est la dernière, il a plus de lance noire dans le paquet. C'était la troisième lance noire. Est-ce qu'on en profite pour reposer tout de suite une autre carte? Ça donne envie, hein, parce que vu qu'il fait que le lance noir, il peut plus ruiner ici. Il peut faire un Raza, mais il peut pas faire autre chose. Je pense que vu qu'on a envie d'attaquer très fort, c'est là ça se fait. Vu qu'il peut pas ruiner. Et Raza, il le tuera pas. Le monde nous attend. En avant. Ouf. Fallait pas tuer le gardien pour tourner autour de ruines. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est possible, hein. C'est possible, Nico. Donc de l'insaisissable, un petit Z aggro insaisissable. On va voir ce que ça donne. Ça va être cool aussi, ça. Alors, on a ambitieuse, archer, atre-garde, évaluatrice. Moi, je pense que garder un atre-garde en main de départ, c'est important pour justement les évaluatrices. Cependant, il faut clairement qu'on garde de l'early pour pouvoir gérer ses cartes. Ça tombe bien, il a rien pour tuer une carte qui fait 1 point de dégâts, donc celle-là, elle va l'embêter. L'archer va le tempo, donc je pense que c'est très correct de garder les 3 cartes là. Oh, et un petit haché cassant. On dit pas non, on dit clairement pas non. Ah, elle par contre, on dit non. Elle, on la veut pas. On la veut pas tout de suite. Vous comprendrez bientôt mes méthodes. Ok, petit jeu. Si tu pourras le link, tu regardes depuis quoi? Depuis un smartphone? Si tu regardes sur PC, tu as déjà le lien du deck, mais sinon je peux te l'envoyer après. Ouais. Sinon ils peuvent le choper également eux-mêmes, hein, ceux qui regardent. Du thé pour l'entraînement. Du thé pour l'entraînement.
Bon, du coup, on n'a pas de raison de ne pas poser notre ambitieuse ici. Parce qu'on n'a pas envie de faire un jet sur son tour à lui, donc c'est elle. Il n'y a pas de moyen de mettre un point de dégâts, donc on la pose. Ouais. Parce que lui, on a envie de le garder sur le prochain tour. Donc c'est bien. Là, il va pas poser de garde, en théorie. Du coup. Parce qu'il veut pas que je trade avec ma 50 tue. Genre là, par exemple, il peut pas poser son conspirateur. Il serait triste, sinon. Là, par contre, je peux aller chercher son pisteur. Me dire, le pisteur, il me dérange. Et je vais le chercher et je lui mets un gel. Je pense que c'est pas nul. Parce que dans tous les cas, le pisteur il va poser problème, donc autant le gérer tout de suite. Hein. Le truc c'est qu'il peut avoir une frappe rayonnante qui permet de tuer ma carte, mais. Quoi qu'il arrive, son pisteur il pourra faire exactement ce même trade tout à l'heure. Donc autant le gérer tout de suite, je pense. Après, il peut chercher l'archer et tout, c'est embêtant. On va faire ça. On verra s'il a la frappe rayonnante ou pas en main. Il y a quand même beaucoup de chances qu'il l'ait pas. Hein. Il y a très peu de chances qu'il ait la frappe rayonnante en main. Ouais, c'est bon. Good. Ouais, donc si t'es sur PC, tu peux reprendre directement avec l'extension. T'as un petit truc pour choper le lien du deck. Ah, devant mordant, mais non, non. Silencieux non, comme la mort. Non, mais non. Ça c'est non. Ça c'est zéro, ça. Ça c'est pas cool, ça. Un vrai accueil frais jordien. Je vais vous montrer comment faire. Ah, je crois que le petit vieux il est un peu trop balèze. Hein. On va pas le bloquer. Alors, Bjerg ou elle? Elle pioche 1 et lui il pioche 1. Donc, bah, Bjerg, hein. Bjerg en priorité. Et Atregarde, hein, toujours, hein. T5, Atregarde. Bah voilà! Ils sont là, les Atregarde. Bon, par contre, il peut nous mettre cher, hein. Il peut commencer à poser son jeu. Il a une carte qui est boostée dans sa main qu'il a pas encore posée. On va voir ce que c'est. Là, il est pas trop chaud parce qu'il y a ma 5-1 qui a encore envie. Mais s'il fait passe, je fais passe. Donc ça l'arrange pas trop non plus. Là, il est un peu en mode. J'aimerais bien que tu attaques, mais du coup, je vais pas lui donner cet honneur. Donc, bah, tant pis pour toi. Hein. Moi, t'as 5, t'as 2-2, elle me dérange pas. Donc, je préfère que tu perdes la mana et voilà, à toi. En vrai, il a envie de poser ses cartes, mais que après que j'ai attaqué. Yo, Zazucho! Coucou à tous, du coup, Noxy Clash Royale, tu n'en feras pas plus? Bah, si, pourquoi? Ça sort d'où ta conclusion? Tu sors une conclusion là, comme ça, d'un truc que j'ai pas dit? Sayerdel est mon partenaire. Yo Tenix. Alors, on va mettre un petit attre-garde. Ouais. Dans tous les cas, on a en 13 envie de le jouer, cet attre-garde, donc ça me bat. Soit, il y avait l'autre option, garder les vents mordants pour geler l'ennemi à ce tour-ci, mais c'est trop tempo. Genre, sur ce tour, il faut que j'accepte les dégâts, et les prochains tours, je ferai des gels. Mais à ce tour-ci, je peux pas me permettre de pas poser attre-garde. Ça génère trop de value dans mon deck pour ne pas le faire. Là, on va prendre cher, on prend 4, 8, on passe à 10. Mais les tours prochains, on aura des gels, donc c'est ok. Je pense. On y va ! J'assumerai mon rôle. Ouais, vas-y. Ah, la violence des insaisissables, hein. Ils sont là. Hein. Par contre, s'il fait ralliement, on n'est pas bien. Mais c'est bon, il l'a pas. Ok. Alors là, c'est soit on pioche deux cartes avec elle, soit on part sur un tour très offensif à base de on grappe, et on cale un petit gel en plus. Le truc, c'est que je peux caler qu'un seul gel si je pose lui. Ça, c'est un peu embêtant. Mais du coup, si je cale qu'un seul gel, ça veut dire qu'elle, elle est obligée de mourir. Ça, c'est un peu chagrin quand même. Je pense pas que j'ai besoin de piocher tout de suite. J'ai besoin de gérer son board. Par contre, comment je le gère, quoi? Je peux mettre 3 gels, hein. 3 gels, c'est propre. On va faire ça, ouais. Et c'est parti. On va faire de la gestion de board. Affrontez-moi. Vas-y. On mettra plein de gels là-dessus.
Je pense qu'il met le petit vieux tout la 3-1. Ouais. Et normalement, le reste, il le dev pas. J'hésitais à la mettre la 3-1. Je sais pas si c'était un bon play, ça. Les expéditions sont gratuites en ce moment? Non, elles sont gratuites que si tu as déjà fait 3 expéditions, Antonix. Donc après, ça dépend d'où t'en es dans tes propres expéditions, en fait. Ok. En fait, je vais garder du coup ma mana, vu que là, il décide de pas défendre. J'ai pas besoin de vent mordant. Moi, ma 3-1, elle sert à rien. En fait, il vaut mieux qu'il ait pas son mentor pour pas pouvoir remonter et faire des plays comme ça, et qu'il soit obligé de remonter d'autres cartes. Et moi, mon archer, il me sert pas à grand-chose, donc ça me va. Ah, il veut quand même la tuer. Ouais, si tu veux, ça ne dérange pas. Il vient de mettre 3 d'élixir juste pour ne pas. Enfin, pour pouvoir tuer ma 5-1, ça me va. Hein. Clairement, c'est pas un truc qui me dérange. Ils ne peuvent pas. Ok, il a mis. Donc, clairement, nous, les vents mordants, maintenant, on va les mettre en défense. Alors, est-ce qu'on met également un loup? Non, parce qu'en défense, le loup. Voilà. On va poser un atre-garde. C'est parti. Petit atre-garde. Tout le paquet, il a +2/+2. Et là, on va devoir utiliser notre mana pour bloquer les cartes qui seront les plus oppressantes en face lors de ces attaques et essayer de gagner nous sur nos attaques à nous. Il te balance sur des vidéos? C'est parce que t'as dû cliquer pas au bon endroit? Échec pour le deck que tu m'as link. Parce qu'en fait t'as un petit truc partagé sur l'extension, ça t'y est, et t'as juste à cliquer dessus. J'ai l'avantage. Et ça te sort le lien du deck. Ça a juste un... En fait c'est en haut. Sur le nom, tu vois, t'as le panel d'extension et t'as un espèce de bouton qui est la gif icône toujours utilisée pour les trucs de partage. Et il a sûrement un dos à dos ici. Allez, pose ton dos à dos, vas-y. Ça, on sait quoi bloquer. Voilà, ok, parfait. Ouais, plus que 4. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a claqué 5 mana. Et nous, dans tous les cas, on était obligé de vent mordant ici. Du coup, au final, il a fait une erreur. Parce que nous, quoi qu'il arrive, on était obligé de mettre le vent. Et on l'a mis avant, enfin après son dos à dos. Donc c'était vraiment une erreur de sa part. Là, il peut rajouter 3, mais on s'en fiche. Bah c'est pour ça Tonix, tu peux faire que 3 expéditions par semaine pour éviter justement que les joueurs rushent trop et qu'il y en ait qui aient toutes les cartes du jeu et d'autres partent en tout début du jeu. Boule de poil. Même si ça va assez vite hein, d'obtenir les cartes dans le jeu. Oh c'est bien, ça y pose seulement après, nickel. Alors là on va piocher des cartes, elles ont 30 000 hein. Pas encore. Là on pioche 3 cartes, parce que c'est notre tour offensif, il faut qu'on pioche. On les vend, faut qu'on les garde en défense en priorité. Allez, une carte, 2 cartes, 3 cartes. On a H, let's go, ça c'est bien. Elle évolue? Ouais, elle évolue direct en plus, on aura la flèche de H, ça c'est cool. Ils ne verront rien venir. Tour prochain, on aura la flèche de H. Avarosa me guide. Du. L'ordre deviendra une nation. Ok. Alors désormais, comment on s'en sort là-dessus? Alors H, elle va geler. Alors ça, moi, je sais jamais comment ça marche bien. La puissance la plus élevée est partagée par les PV les plus élevés, puis par le coût le plus élevé. Genre, elle va geler l'âme vie en théorie. Mais de base, moi, j'aurais dit qu'elle gelait à duo. C'est pour ça que je sais jamais trop. Donc ça va geler l'âme vie. Alors, est-ce que si j'en gèle une autre, on a un létal ici? Genre, si je gèle la 3-1, en plus, ça nous fait quoi? Ça nous fait 8, 13, 19, 25, et il peut bloquer avec 3. Bon, dans tous les cas, j'ai envie de geler sa 3-1, parce qu'il pourra pas faire de trade intéressant avec. Ou alors, je le garde pour la défense et je l'utilise pas maintenant. C'est encore mieux, je pense. Je préfère qu'il trade full en def. Vous devez me croire. Quoi qu'il arrive, il arrivera à mettre des trucs pour défendre ici, donc tant que j'ai pas ma flèche de hache, c'est pas grave. Je pense. Hein. Non, ça prend la 3, hein. Ouais, donc c'est bullshit ce truc. C'est celui qui a le plus d'attaque au final. Hein.
Les PV. Ouais, donc c'est la, déjà l'attaque la plus élevée, après c'est les PV, et après c'est le coup de la carte. Ok. J'ouvre l'œil. Yo, Slambil. Ouais, ouais, donc au final c'est l'attaque, puis les PV, puis le coup de la carte. Ok, ok, ça me va. Donc là il perd pas son âme vie. Mais nous on a plein de gel hein, après, donc on est bien. Et s'il attaque pas direct, parce que là il est censé attaquer direct, il se prend la flèche de hache. Hein. Parce que nous ce qu'on pioche là direct c'est la flèche de hache. Donc soit il attaque direct et il se prend 20 mordants plus l'éclat. Soit il attaque après et il se prend une flèche de cristal. Allez! J'emprunte ton chemin seul. Allez, ça, ça fait plaisir. Il est obligé de dos à dos. Est-ce que c'était Z, c'était intéressant de le bloquer? Ah, il rejette. Ah, c'est vrai qu'il peut rejeter. C'est vrai qu'il peut rejeter. Ok, ça me gêne pas. On m'en fiche. Je vais quand même, je les cache, Z, je pense. Quoique, c'est les insaisissables qui me posent problème, pas Zen. Je combats pour l'équilibre. En vrai. La nuit tombe. Oh, il attaque avec ça. Oh, c'est mignon. C'est tout bébé. Donc là, il faut qu'il ait à tout prix dos à dos et frappe rayonnante en main. Mais il a qu'une carte. Du coup, bon, bah, il aura pas dos à dos et frappe rayonnante. T'as le droit d'écrire. Ça va, c'est 10 minutes une fois, ça va. On peut pas mettre moins de façon de samedi. Quand tu la poses en attaque, passe le curseur sur elle, la carte qui sera gênée en surveillance. Ok, ça marche. Ouais, même, je voulais savoir comment ça marche sans faire ce tricks. Alors, est-ce qu'on a l'étal si on fait du full gel en face? Si on fait du gel sur lui, plus par exemple elle, ça fait qu'il lui restera elle pour défendre, ça fait pas beaucoup. Après, il a que deux cartes en main, je pense qu'on peut se permettre de reposer en plus. Genre un truc bien bourrin. Genre, attendez. Là, on a le vent mordant. Si on fait le vent mordant, il nous faut. On peut utiliser jusqu'à 6 au total en plus. Donc, on peut poser peut-être une 7-7 ou une 6-5 en plus. Ce qui rajoute beaucoup de pression, je suis pas sûr qu'il ait des réponses là-dessus. Et après on fait un vent mordant. Ce qui me paraît être un bon bail. Allez, c'est parti. Rares sont ceux qui méritent le nom de Trifarian. Calme-toi, mais non, j'ai pas. Je rêvais que j'avais pioché autant. Okay, il a juste ta petite carte challenger, c'est parti. Donc on fait un vent sur Lambi. On va dire Z. On attaque avec le reste. Ah, ça a planqué. C'est bon. Ça avait un peu planté, mais c'est bon. Ok, bon courage. Oh, H, elle régale, hein. H, elle fait plaisir. Bah, du coup, il a quoi? Il peut avoir volonté de Nyonia en main. Ouais, bon, il peut avoir le chagrin aussi. Hein. Voilà, le petit rage kit. Ah, il est grave sympa, hein, Sam Deal, hein. Il est excellent. Attends, j'ai un gros winrate avec un. Hein, on a un énorme winrate avec un. Hein. Vraiment très bon.